Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek. Je suis encore à l'IFA, donc sur le stand de Samsung, et je vous propose de découvrir là tout de suite le nouveau All-in-One Series 7 de Samsung. Donc le nouveau tout-en-un de Samsung sous Windows 8. Donc, vous pouvez le voir avec écran tactile. Bon, déjà au niveau du design, il est quand même assez fabuleux, franchement. Hein. C'est un design tout carré, bien fin, qui reprend vraiment le design des télés de la marque. Et là-dessus, avec un. Je ne reviens pas sur les caractéristiques qu'ils avaient dans la fiche produit, mais en gros, voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est vraiment très sympa. Le clavier est un clavier Bluetooth sans fil et tout ça. Bon, assez classique, chiclette, etc. On ne va pas revenir dessus. Par contre, donc, là, c'est, vous pouvez voir au niveau des. On peut taper directement sur l'écran. On va essayer d'aller voir Journal du Geek quand même. Je crois que c'est un petit site pour les geeks que nous sommes. Hop. Et c'est quand même sympa, hein. Non, bon, plus sérieusement, c'est assez classique, on va pas dire que c'est... Mais le tactile répond très très bien, et c'est vrai que on peut cacher le clavier, on peut faire plein de choses. Donc c'est vraiment le truc qui change par rapport au premier PC All-in-One avec des écrans tactiles qui était plutôt laggy plus sous Windows 7. Et bien là, sous Windows 8, ça pose aucun souci. Et on va pouvoir aller voir le menu Start assez rapidement. Donc comme vous pouvez voir, là franchement, je me vois bien travailler au bureau avec ce genre de machine. Donc ça fait un peu fanboy là quand j'en parle. Mais c'est vrai que le design m'a vraiment plu. Et ce côté sensitif, hop là, voilà, sensitif, est assez joli. Et le pied aussi, puisque ça reprend le design des télé Samsung. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Avant de finir, je vais juste montrer la petite trappe qu'on trouve ici, qui vous permet d'accéder au port USB 3, SD, etc. Alors, je sais pas si on voit bien, voilà. Et de l'autre côté, la même chose avec un lecteur DVD, CD, Blu-ray, en fonction des options. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très très bientôt sur le Journal du Geek. Thank you.